Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette troisième séance de gym douce les lundis matins avec Été Indien. En tout cas, on vous remercie d'être présent parmi nous parce que on a connu pas mal de soucis techniques. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes super motivés. Ça fait plaisir et on vous remercie de nouveau. Donc aujourd'hui, la séance se déroule avec Maude. Je vous ai envoyé un petit mail en fin de semaine dernière pour ceux qui étaient déjà inscrits. Donc Maude qui travaille chez nous, qui est enseignante en activité physique adaptée depuis un certain nombre d'années. On n'a pas le droit de le. Elle est encore jeune, mais on n'a pas le droit de le dire. Donc Maude qui remplace aujourd'hui Sophie qui pouvait pas pour cette séance aujourd'hui. Donc un programme un peu différent, les contenus vous allez voir va être un peu différent et Maude a trouvé une super idée, j'espère qu'il vous fera plaisir, c'est de travailler les muscles du rire. Vous allez voir, il y en a pas mal et l'idée c'est de manière un peu ludique aussi, hein, c'est de pouvoir vous faire travailler pas mal de parties du corps qui interviennent dans le rire. Donc voilà, c'est le programme aujourd'hui. Ça va durer maximum 1 heure, hein, comme vous avez l'habitude. N'hésitez pas, comme vous le faites déjà, Monique, Muriel, Nathalie, Françoise, Régine, intervenir dans le chat, comme vous avez l'habitude maintenant. Ça permettra de réagir avec Maude. Et moi, je resterai connecté aussi pour interagir avec vous. On espère évidemment qu'il y aura moins de soucis techniques. De notre côté, on a vraiment fait le nécessaire. On a testé plusieurs fois nos connexions. On a des très très bonnes connexions là. Donc, ça devrait fonctionner aujourd'hui. On espère pour vous que ce sera le cas également. Quelques points de sécurité, comme vous avez l'habitude également. Le premier point, c'est de ne pas aller au-delà de vos capacités, hein. Si à un moment vous sentez que c'est trop difficile sur le plan musculaire ou sur le plan du souffle, n'allez pas trop loin, faites une pause, hein, et puis vous pouvez nous le mettre dans le chat pour qu'on puisse adapter avec Maude. Donc n'allez pas jusqu'à la douleur ou un essoufflement trop fort. Gardez aussi, si possible, un téléphone portable près de vous. Si vraiment il y a besoin de contacter un proche, on ne sait jamais. Ah, Françoise qui dit que l'image est beaucoup plus stable et plus nette. Ah ben, c'est effectivement, on l'a vu aussi. C'est plutôt un bon début. Prenez aussi une bouteille d'eau à côté de vous pour vous hydrater régulièrement. Maude vous proposera à plusieurs moments de faire une pause et de vous hydrater. Faites attention aussi à la température de la pièce pour pas qu'il fasse trop chaud. Si c'est le cas, ouvrez un peu la fenêtre. La température du corps a tendance à monter pendant une séance et donc il ne faut pas que la température de la pièce soit également trop chaude. Et puis voilà pour les points les plus importants. Eh bien, écoutez, on va commencer. Il est 11h02. Monique, je vous vois et vous entends. Ouf, bah oui, c'est effectivement la qualité d'image est beaucoup mieux. Maude a une qualité de réseau, c'est presque la NASA chez elle. Elle a une super qualité de réseau, donc ça devrait beaucoup mieux fonctionner. Alors sur le plan technique, je vous en avais parlé un peu la dernière fois. Si vraiment vous avez des soucis, vous pouvez cliquer en bas à gauche sur le petit point d'interrogation avec le bouton Aide. Et quand vous cliquez dessus, vous verrez que vous pourrez rafraîchir votre page, voire tester votre son ou votre réseau. Donc ça, si à un moment ça, vous avez l'image qui est trop hachurée ou qui se coupe, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là pour rafraîchir la page. Ça peut aider à bien relancer. Et pour finir, alors je vous l'avais mis en mail aussi, hein, vous avez peut-être l'habitude maintenant, fermez bien vos autres logiciels ou vos autres pages internet, ça peut consommer un petit peu de réseau. Et aussi, faites en sorte que vous soyez seul sur votre réseau, le réseau de votre foyer, si vous avez un mari ou des enfants, petits-enfants qui sont chez vous actuellement, il vaut mieux qu'ils ne soient pas sur le réseau.
Ils peuvent venir faire la séance avec vous. Ils peuvent faire la séance avec vous, effectivement. Et puis, si vous pouvez être branché sur votre réseau par un câble plutôt que par le Wi-Fi, nous, on a fait des tests, ça augmente aussi considérablement le réseau, entre x2 et x3 la vitesse. Hein, donc, ça peut être important. Si vous avez besoin d'informations là-dessus, on pourra vous aider. On n'est pas informaticien, mais comme on y travaille beaucoup, on pourra vous montrer le type de câble qu'il faut et voir peut-être des adaptateurs pour mettre sur votre ordinateur ou votre tablette. Mais voilà, c'est en ce moment, comme on fait beaucoup de visio, nous tous, et vous aussi certainement, c'est plus confortable avec un branchement. Voilà, écoute Maud, c'est à toi de jouer, je te les laisse, hein, et puis comme d'habitude, je vous dis à tout à l'heure pour la fin, et moi je reste connecté en cas de besoin. Okay, à tout à l'heure, salut Maud, à toi. Merci Benjamin. Alors, bonjour, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une séance un petit peu particulière. Il n'y aura pas de musique parce que j'ai une super connexion, mais je ne suis pas équipée pour. Donc, j'ai décidé de changer un petit peu le thème de la séance. Donc, on va travailler autour des muscles du rire. C'était quelque chose d'un peu léger pour commencer la semaine. Il y a du soleil, ça fait du bien. Je vais vous solliciter un petit peu. J'ai préparé une petite fiche avec quelques petites blagues. Voilà, ça sera aussi un peu le thème de la séance. Si jamais vous avez des blagues, n'hésitez pas à les mettre dans le chat au moment où on sera en train de boire un coup ou autre entre les exercices. Ça permettra de faire rire un petit peu tout le monde. Moi, j'avais fait quelques petites recherches déjà à la base pour vous dire que rien que pour le sourire, il y a 17 muscles qui entrent en jeu. Et pour le rire, il y en a 130 principaux et 400 petits muscles avec tous les petits muscles de la face. Et ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir tous les travailler. Donc, Benjamin, dans le mail qu'il vous a fait, vous a dit, on travaille surtout autour des abdos. Mais en fait, quand on rit, on travaille avec tout le corps. Donc, ça va être une séance. Oui, on travaillera autour des abdos, mais on va commencer avec tout le corps. Ce que je vous propose avant tout, c'est de faire un petit échauffement. Il est 11h, on s'est déjà tous mis un petit peu en route. Mais on va faire un échauffement quand même pour solliciter son corps. Alors, un petit échauffement tout simple, comme vous avez dû en faire avec Sophie ou avec d'autres enseignants que vous voyez sur nos vidéos. On va commencer par le haut du corps, on commence par la tête et on va dire oui. On le fait 6 fois, 8 fois. Et on cherche un petit peu plus en amplitude à chaque fois. Quand on a dit oui, on va dire non tout doucement, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et on cherche en amplitude. On ne se fait pas mal, on ne va pas au maximum là où ça tire. On cherche juste, à aller un petit peu plus loin à chaque fois. On va faire quelques petits ronds avec la tête, des tout petits, dans un sens. Et dans l'autre sens. On va mobiliser un petit peu les épaules. On va faire ce petit geste quand on remonte les épaules, comme quand on dit « je sais pas ». Allez, on le fait 10 fois. 5, 6, 7, 8, 9. 10, et là, on commence à faire rouler des petits cercles en arrière avec les épaules, avec ce petit geste, en avant. Et on peut faire des petits cercles. On n'est pas obligé de faire les grands cercles qui demandent d'aller chercher très très loin en amplitude, juste les petits cercles, dans un sens, dans l'autre. On va échauffer la petite région qui se trouve autour du bassin. Alors, dans un premier temps, et c'est un exercice sur lequel on reviendra, on va sortir les fesses derrière. On essaie de ne pas trop cambrer le dos. Et on va remonter. Quand on remonte, on va mettre le bassin en avant, serrer les fesses, serrer les abdos et mettre les épaules vers l'arrière. On se penche en avant, on étouffe la yada et on remonte, on serre tout. Les fesses, les abdos, les épaules vers l'arrière. On le fait 5 fois. Ah, on serre bien les fesses, les abdos, les épaules. Super. On va faire les hanches un tout petit peu à droite et à gauche.
avant de pouvoir faire des petits cercles. C'est toujours pareil, on commence petit et dans l'autre sens. Ok, un petit peu les genoux. Pour les genoux, on va venir faire du touchous. Et on se redresse. Si on a besoin, parce qu'on manque d'équilibre, on peut se servir de la chaise. On peut se tenir une main de main. On baisse et on descend. On le fait 5 ou 6 fois. Voilà. Si on a besoin pour la suite, on peut faire les genoux. On fait des petits cercles. On peut aussi adapter pour mobiliser les genoux en faisant plier les jambes. Je vous montre plusieurs exercices, ça permet à tout le monde de le faire avec ce que vous avez à portée de main. Et on va bouger un petit peu les chevilles en se tenant. On peut le faire debout, on peut le faire aussi assis. N'hésitez pas, ce n'est pas parce qu'on est assis qu'on ne fait pas l'exercice. Hein. Ça peut permettre aussi de s'économiser un petit peu pour après. Voilà, et on a oublié de faire un petit peu les poignets. Alors, soit on tourne, soit on fait la vague. Niveau coordination, ça fait travailler aussi. Ok, c'est un petit échauffement pour se mettre dans le rythme. Et je vais commencer du coup par vous faire une petite blague, hein, histoire d'être dans le thème. Est-ce que vous savez ce que fait une vache avec les yeux fermés ? Alors, allez-y, est-ce qu'il y en a qui vont me répondre dans le chat ? Je vois personne écrire. Me, non, elle ne fait pas me. Elle fait du lait concentré. Voilà, c'est ma première blague. Je ne fais pas de stand-up, hein, j'essaye de faire ma petite séance. Alors, on dit ça en rigolant, mais au niveau des muscles qui interviennent dans le rire, on en a beaucoup au niveau de la face, mais surtout, ça commence ben voilà, au niveau des cervicales et des épaules. Donc, c'est ce qu'on va mobiliser en premier. Alors, pour ce premier exercice, on va faire une rotation des épaules, on va mettre les mains face vers devant et on va faire tourner vers derrière. Donc, on met les mains, je me rapproche, je me mets un peu comme ça, devant. On les a comme ça, voilà, on accueille la lumière et on fait une rotation, on les met vers derrière, devant, derrière. C'est un exercice qu'on va faire 3 fois 10 répétitions. Donc je vais reculer un petit peu et je suis bientôt splendide, d'accord, Gadel Malé, ça me fait plaisir. Alors, pour cette première, du coup, on est parti, on le fait 10 fois. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on peut les faire bouger tout doucement. C'est un exercice qu'on peut faire assis, mais comme ce n'est pas trop violent, voilà. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des soucis ou que vous sentez que ça va être une longue séance, c'est un exercice qu'on peut faire assis. D'ailleurs, quasiment tous les exercices que je vais vous proposer peuvent se faire assis. On est reparti pour une deuxième fois. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me rapproche, je vois que ça écrit dans le chat. Ok. Vous irez lire. Benjamin agrémente la discussion de petites blagues. Et on est parti pour une troisième fois. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On va faire un petit exercice aussi au niveau des muscles cervicaux. Je lis la petite blague de Benjamin. Pourquoi est-ce qu'on dit que les Bretons sont tous frères et sœurs ? Parce qu'ils n'ont qu'un père. Alors, j'en avais une aussi sur une autre région.
Est-ce que vous savez pourquoi c'est difficile de conduire dans le Nord? Je laisse Benjamin répondre, au moins s'il est proche de son ordinateur. Pendant qu'il répond, je vous ai. C'est ça, parce que les voitures n'arrêtent pas de caler. Spéciale dédicace, s'il y a des gens du Nord-Pas-de-Calais, c'était pour vous. Alors, un petit exercice avec les cervicales. On peut le faire debout, on peut le faire assis. Je me rapproche juste pour bien vous le montrer. On redresse son dos le plus possible. Et on va aller avancer, on va le faire 2 fois 15. On va venir avancer la tête le plus possible. Vous allez sentir, là, ça va travailler derrière dans les cervicales. Donc, je vous le montre proche et j'irai m'éloigner après. Donc, voilà. On garde le dos droit, ça part des épaules et on avance le plus possible. On avance le menton. OK. On va le faire 2 fois 15. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on peut se tenir s'il y a besoin, 11, 12, 13, 14, 15. Souvent les muscles, hein, ça travaille quand on rigole fort, on le sent. On les voit se contracter, cela travaille fort. Allez, on est reparti, 2 fois 15. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, la chaise à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 et 15. Ok, super. Si vous avez besoin de boire un coup, allez-y, buvez un coup. Alors, on commence tout doucement à faire travailler. Là, on va faire un petit exercice. Donc, il va mobiliser et les cervicales et les épaules. Et on va commencer à aller vers les coudes parce que les muscles intercostaux travaillent beaucoup dans le rire. Donc voilà, je vous laisse 2-3 secondes pour boire un coup. Je vais le faire aussi. Et on enchaîne par la suite. Est-ce que je vous lis une petite blague ou je vais vous lire une petite blague? N'hésitez pas, hein, si vous êtes près de votre ordinateur et que vous voulez nous en partager une, allez-y sur ces petits moments là où on prend 30 secondes pour boire et échanger. Justement, en parlant de boire, est-ce que vous savez pourquoi les bouteilles de bière coulent? On était sur les blagues des départements tout à l'heure, des régions. Eh bien, les bouteilles de bière, elles coulent parce qu'elles ne savent pas nacher. Voilà. Moi, ça me fait rire. C'est le genre d'humour qui me fait rire. J'espère que vous aussi, ou comment ça vous a fait sourire. Alors, la petite exercice qu'on peut faire assis et qu'on peut faire debout. On va faire un peu semblant de faire de la boxe. Et on va accentuer ce mouvement quand on va aller à droite ou quand on va aller à gauche. Je me recule. En le faisant debout, voilà ce que ça donne. Et je vais vous donner trois niveaux possibles. On est tout simple. Le premier niveau, tout facile. On pose ses fesses, on pose ses jambes bien par terre. On redresse, on a le dos droit. On monte de profil, on a le dos droit. Et on va venir faire ce mouvement de boxe, mais on va vraiment tourner tout le corps. Voilà, on va chercher à l'opposé de son bras. 2, 3. On va faire 3 fois 10. 4. La partie facile, c'est le premier level. On peut faire aussi comme level, on peut le faire debout. On pense à bien être redressé. Et on va tourner. 1, 2, 3. 3 fois 10 aussi. Et là, si on est en super forme et qu'on se sent bien ce lundi matin, on peut le faire en montant aussi la jambe. On n'est pas obligé de décoller les pieds, mais on peut faire intervenir la jambe. OK. J'ai vu qu'il y a des petits messages. Non, il n'y en a pas. Personne n'a de blague à raconter. Je suis un peu déçue, là. Je suis un petit peu déçue. En fait, j'ai sorti mes super petits poussins qui rigolent. Voilà. Alors, on y va pour cet exercice. 3 fois 10. On prendra 20 secondes de récupération entre chaque. Donc, on est parti. Sur 10. Moi, je fais le level, le troisième level. Mais il n'y a pas, comme disait Benjamin, on va vraiment à son rythme. On peut le faire assis. On peut le faire debout tout simple ou debout en mettant les jambes.
Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Les quelques secondes de récupération, je compte dans ma tête, hein, je vous en fais grâce de ce décompte. Allez, on se remet en place, on est reparti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il est assez facile, mais vous allez voir qu'en enchaînant tous ces exercices, on aura bien travaillé à la fin. On aura bien travaillé à la fin. Vous êtes prêts? On se remet en place. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, super. On va enchaîner après maintenant les trois exercices qu'on a fait. Oui, est-ce que tout le monde va bien? Du coup, on n'a pas de retour. Mettez-nous des pouces, dites-nous quelque chose. Ah, Muriel est en train d'écrire. Allez, je vous laisse 2-3 minutes. Ok, super, Régine. Dites-moi si je suis drôle aussi. Ouais, tu peux faire les exercices assis, Benjamin, hein, y a pas de souci. Je suis sûre que ton coach en sera ravi. Ok. Alors, du coup, on va enchaîner les trois premiers exercices qu'on va faire. On va commencer par la tête, après les mouvements d'épaule et la boxe. Alors, ce que ça donne, on le fait 2 fois 10. On fait tête en avant, les épaules. Box. Donc, tête en avant, vous voyez, j'avance la tête, je fais les épaules et je boxe. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, l'enchaînement de 3? Alors, si vous vous encouragez, je vous refais une petite blague alors. Est-ce que vous savez pourquoi le lapin est bleu? Allez, je vous laisse répondre. Le lapin est bleu parce qu'on l'a peint. Voilà, voilà. C'était une blague de mes enfants, celle-là, et je la trouve très mignonne. Allez, on est parti. On enchaîne du coup les 3. On fait 2 fois 10 ou 2 fois 15? Je vais dire les 2 fois 15. On est parti. En avant. Les bras. La boxe. Allez, je vois que tout le monde répond. Remettez-vous en place. Ok. Allez, en avant, les bras, on boxe. Tête en avant, la rotation des épaules, on boxe. Allez, ça fait 2, 3, 4. 5. Allez, 6. Si je fais un peu vite, allez à votre rythme. 7. 8. 9. Dix. Allez, on tient bon. 11. 12. 13. 14. Et un dernier. Et 15. Ok.
Alors là, je viens lire le petit message. Benjamin est assis, mais il fait quand même vivre la séance. Il nous met des petites blagues. Ok, on est reparti pour 15. Là, c'est la partie facile. Après, on va commencer à faire monter la température corporelle. Allez, je suis à 2. Je suis à 3. J'accélère un petit peu. Je suis à 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 et un dernier avant d'attaquer la zone autour des abdos. Et 15. Ok, on boit un petit coup. Je pense que Benjamin est sur le site de Rire et Chansons. Allez, c'est important de s'hydrater, hein. C'est important de rire, c'est aussi important de s'hydrater. Donc là, du coup, voilà, on parlait dans le descriptif des abdos, on va y venir, et puis on va faire aussi augmenter un petit peu cette température corporelle. Je vais vous proposer, donc, comme avant, trois types d'exercices qu'on pourra enchaîner après. Et là, ça va être un petit peu plus sportif. Alors, si jamais il y en a qui ont des blagues, hein, allez-y, pendant que j'explique toujours une fois les exercices, je les montre et puis après je les refais. Le premier qu'on va faire, ça va être une sorte d'abdos croisés debout. On va apprendre à faire des abdos en étant debout. D'accord. Après, c'était Monique, c'était peut-être pas lié à la musique, c'était peut-être lié à la connexion aussi. Je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais j'ai fait des séances avec Sophie où on entendait très bien. Avec la musique aussi, donc ça peut dépendre. Ok, premier exercice. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire assis, mais c'est plus efficace debout. On va faire un peu comme si on faisait des abdos croisés. On va venir descendre et faire comme si on attrapait quelque chose par terre. S'il y en a qui veulent le faire avec leur bouteille d'eau ou leur gourde, par exemple, c'est possible aussi, hein. En général, c'est pas lourd, c'est un litre, un litre 5. On descend et on vient chercher. Alors, on n'oublie pas quand on remonte, et tout à l'heure, je l'ai dit à l'échauffement, moi je le ferai sans la bouteille parce que c'est tout aussi efficace. On n'oublie pas de, quand on remonte, serrer les fesses, serrer les abdos. Et remettre les épaules derrière, justement, pour ne pas trop cambrer derrière et pour avoir le dos droit. Donc, on se baisse en pliant un petit peu les genoux, super important pour son dos. On va en bas et on fait comme si on remontait quelque chose. On fait ce mouvement de traction, vous allez voir, là, ça va travailler dans les muscles intercostaux, un des plus gros muscles dans les 130 qui travaillent pour le rire. Donc, d'un côté, et on remonte, on serre les fesses, les abdos, les épaules en arrière. Et celui-là, on va le faire 2 fois 15. Et c'est là que ça va accélérer un petit peu notre rythme cardiaque aussi. Est-ce que vous êtes parti? Est-ce qu'on est prêt, pardon? Et alors, si on est prêt, on est parti. On va en bas et on va remonter quelque chose. 1, 2. On va le faire 16 parce que sinon, c'est pas mon père. 3, 4. On serre les fesses, les abdos, les dos. 4, 5. 6, 7, 8, 9,
10. 11, fesses abdos, hein. 12. 13. 14. 15. Et 16. Je n'ai pas montré depuis la chaise, allez-y récupérer, mais depuis la chaise, on se penche et on remonte et on serre, on monte aussi. Donc du coup, les épaules vers derrière, on serre les fesses, les abdos et les fesses. Il est faisable comme ça aussi. Ok, buvez un coup. Enfin non, pas buvez un coup, récupérez un petit peu. La petite blague de Benjamin, comment appelle-t-on un hamster dans l'espace ? Un hamstéroïde. Voilà, j'en ai une après, je la ferai après cet exercice-là dans le même style. On est reparti. Donc, ou assis ou debout. Si jamais 16, c'est trop, vous pouvez vous arrêter à 10. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Allez, on est parti. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. J'espère que ça va toujours. Je vous laisse récupérer. Je mets en place l'exercice suivant. Cette fois, tout le monde peut le faire sur la chaise, il n'y a pas de souci. Je vous le montre d'ailleurs depuis la chaise. On va faire toujours travailler les abdos et les intercostaux. Au lieu d'aller chercher devant, on va carrément aller chercher sur le côté. Donc, quand on est sur la chaise, on fait semblant de ramasser. On remonte et c'est toujours pareil, les fesses, les abdos, le dos. Je vous montre de profil aussi. C'est plus criant. Quand on va se pencher pour aller chercher, on va avoir le dos en avant. Et ce que je veux, c'est qu'on vienne remonter à chaque fois. Et on remonte à chaque fois. Là, on lui travaille aussi les abdos et tous les muscles dorsaux. Okay. Debout, celui-là, il donne. Ça aussi, donc on a cherché devant là tout à l'heure. Là, on va chercher vraiment sur son côté. 1, 2, et là. Les fesses, les abdos, le dos. Sur le côté. Les fesses, les abdos, le dos. 2 fois 16 aussi. Je le ferai une fois debout, une fois assis. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce qu'il y a des nouvelles blagues? Je vous laisse lire. C'est très drôle quand on le lit soi-même. Donc allez, on est parti sur les côtés. Allez, 16 fois, ça fait 8 fois de chaque côté. Allez, 1. Et on remonte à chaque fois, on serre tout ça. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, allez, on serre à chaque fois les fesses, les abdos, le dos, hein. 15 et 16, ok, on relâche, une petite dizaine de secondes entre chaque, ça me permet moi de venir regarder ce qui est écrit. Le retour du Jedi, Benjamin. Qui sait ce que ça fait quand on lance une gousse d'ail contre un mur? C'est le retour du Jedi. Spécial pour les fans de Star Wars. Allez, on est parti, celui-là, je le fais assis pour vous encourager aussi. Hein, on n'est pas obligé de faire tout debout. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16. Allez, petite pause, on peut boire un coup si on veut. Là, vous dites, oui, les exercices, ils sont faciles. Vous allez voir quand on va enchaîner les trois après, ça va être différent. Donc, j'avais une petite blague tout à l'heure. Est-ce que vous savez ce que faisaient les dinosaures quand ils n'étaient pas d'accord, quand ils n'arrivaient pas à se décider? Ils faisaient un tirage aux or. Alors, qui est en train de... Nos migrateurs, allez venir. Alors là, on va enchaîner avec un exercice qu'on peut faire pareil, ce que je vous propose souvent avec ou sans la chaise. C'est l'équivalent du test debout-assis qu'on peut faire dans nos programmes. Je n'ai pas vu s'il y avait quelqu'un qui avait fait un programme avec moi dedans, mais ça va être assez simple. Ce que je vais ajouter pour pouvoir travailler toujours dans les abdos, c'est qu'on va monter la jambe un petit peu. Je vous montre. Je voulais faire une blague aussi avec ma chaise, mais je ne pouvais pas la faire. Est-ce que vous connaissez la blague de la chaise? Elle est pliante. Voilà. Bon, pour le stand-up, on repasse pas. Hein. C'est vrai que c'est tout un métier, c'est pas le mien. Donc, alors, ce petit exercice qu'on fait avec ou sans la chaise, on va descendre comme si on allait s'asseoir. Donc, ça, c'est facile. On peut le faire avec la chaise, justement. C'est ça qui est intéressant. Mais quand on remonte, on va lever le genou. Alors, soit en fonction de son équilibre, soit on lève droit, soit on vient jusqu'à croiser avec le coude. Chacun adapte. Si vous sentez que même lever le genou, ce n'est pas possible, on lève juste le pied. Ok, donc on est assis, on se lève. Si on arrive à lever le pied, on lève le pied. Si on arrive à lever complètement le genou, on lève le genou. Et si on a un super équilibre, on vient croiser. Ok, je vois que ça défile là sur les blagues. Oh là, voilà. Oui, les carambars, c'est rigolo. Et oui, effectivement, si la thématique vous plaît, faites-le remonter. C'est quelque chose qu'on pourra refaire, où on trouvera aussi d'autres blagues. Ça nous permet aussi de rigoler quand on les cherche, hein, parce qu'on les partage un petit peu. Ah bon. Donc, on est parti. Je vous ai montré que d'un côté, d'ailleurs. On descend, on remonte, on fait une fois la jambe droite. Et bien sûr, la fois d'après, on fait une fois la jambe gauche. Ok, on va partir sur 3 fois 10. On peut le faire une fois debout, une fois avec la chaise. On peut essayer de différentes manières. Soit on descend et quand on monte le genou, on se tient à la chaise, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Soit on le fait avec la chaise et on remonte, soit on le fait vraiment tout simple et on lève un tout petit peu. On est parti. Allez, 1, 2, 3, 4. On ne descend pas plus bas que ce qu'on peut. 5, ou même 6 d'ailleurs, 7, 8. 5. On est coincé pour remonter. Allez, je vous fais avec la chaise. Je vous montre que moi aussi, je ne fais pas tous les exercices à fond à chaque fois non plus, ça ne sert à rien. Vous êtes prêts? On est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, j'espère que ça va. Moi, ça commence, ça y est, je commence à avoir chaud. On enchaîne les 10 suivants et puis après, on pourra boire un coup. Allez, cette fois, je le fais en prenant la chaise. Comme ça, j'aurai fait toutes les thématiques, tous les levels de l'exercice. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on peut boire un coup.
Et buvez bien un coup cette fois, reprenez votre respiration. Parce qu'après, on va chenner les trois derniers exercices. Et avant de les enchaîner, je vais lire les réactions qu'il peut y avoir dans le chat. N'hésitez pas à partager avec nous. Je voulais savoir si vous saviez, vous, comment on appelle les ascenseurs au Japon. Petite blague du lundi matin. Et au Japon, on fait comme en France, on appuie sur le bouton pour appeler l'ascenseur. Ok, alors je vois que Régine est en train d'écrire, je la laisse écrire. Et puis on enchaînera les trois exercices. Les tiennes sont mieux ? Je ne sais pas, personne ne nous dit rien sur le chat, alors... Le but est de rigoler, hein, c'est... Ok. Ah, Monique aussi est en train d'écrire, allez, allez-y. Et après, on enchaîne. Le but, c'est d'être un peu léger, c'est le lundi, c'est pour mettre en forme dans la semaine. Pas mal, Régine. Un chiot qui demande à son père, dis-moi papa, mon vrai nom, c'est assis ou couché? Oui, c'est vrai, Monique, vous avez raison. Alors, du coup, on repart pour les mouvements. On va enchaîner une fois 10 les trois exercices qu'on vient de faire. Donc, je vous les refais. On avait celui où on ramasse devant. Ça fait 1 et 2. Celui où on va sur le côté. 3. Et 4. Et celui où on s'assied et on remonte. Et on le fait deux fois parce qu'on a les deux jambes. Ok, là ça fait 1. Ok, un petit message dans le chat. Ok, on est parti pour 10 du coup. Là, ça va augmenter un petit peu le cardio. Alors, bien sûr, vous pouvez comme tout à l'heure le faire avec la chaise. Il n'y a pas de souci. On est parti, on commence par devant. Sur les côtés. On revient à chaque fois en gainant les fesses et les abdos. Et le debout assis d'un côté et de l'autre. Ça fait 1. Et là, ça fait 2. Et là, ça fait 3. Et on est à 4. À la moitié, je ferai avec ceux qui font sur la chaise. Et on est à 5, et là j'accompagne ceux qui le font aussi sur la chaise, il n'y a pas de raison. Et là on est à 6. Et on est à 7. Allez, on est à 8, on tient bon. Si jamais vous pensez que c'est trop dur, vous pouvez arrêter, hein, n'hésitez pas. Le but n'est pas de se faire mal. On est à 9, on tient bon, il n'y en a plus qu'un. On se redresse à chaque fois, on n'oublie pas.
de le 10. Ok, super. Allez, n'hésitez pas à boire un coup là. Après, celui-là, on peut. Elle est pas mal, celle-là, Julien. Donc, avez-vous entendu parler de l'astronaute claustrophobe? Il avait juste besoin d'un peu d'espace. C'est spécial dédicace à Thomas Pesquet, je pense, en ce moment. Ok, alors, on a beaucoup travaillé le haut du corps, mais quand on rigole, parce que je dis, il y a plus de 400 muscles qui entrent en jeu, on va travailler aussi un petit peu le bas du corps, histoire d'avoir vraiment tout travaillé. Je vais vous proposer, donc il reste deux exercices encore, et puis quelques étirements à la fin où on pourra encore donner quelques blagues. Alors, sur cet exercice qui se fait avec ou le mur ou une chaise, encore une fois, celui-là, on en a vraiment besoin, je vous le montre. C'est le coup de pied de l'âne. C'est le donkey kick, comme on dit. Il est assez rigolo. Je vais le proposer de façon simple, parce que je ne vous ai pas à l'écran. Celui-là, donc on se tient soit à la chaise, soit à un mur, c'est possible aussi. On monte la jambe et on donne un coup de pied en arrière tout doucement. On jette pas sa jambe, hein. Le but c'est pas d'envoyer bouler les pieds en arrière très fort parce que là on se fait mal à l'anche. On monte devant et on étend derrière. On monte devant et on étend derrière, donc soit avec le mur, soit avec la chaise. On va le faire 2 x 16. Alors Thérèse, une maman kangourou dit à son mari: j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, à chaque fois que les enfants jouent à l'intérieur, j'ai des erreurs d'estomac. Pauvre maman kangourou. Ça me fait beaucoup rire ce genre d'humour. Allez, on est parti pour les exercices. Le coup de pied de l'âne, le donkey kick. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On relâche doucement. On peut le faire au bord d'une table, hein, j'ai oublié de dire, mais n'importe quoi sur ce que vous pouvez vous tenir. Allez, on est reparti pour 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On relâche. Celui-là n'est pas trop cardio, hein, ça permet même un peu de récupérer par rapport à l'autre. Et le deuxième petit exercice que je vais vous proposer aussi, on va faire travailler les mollets et on va faire circuler le sang aussi, remonter le sang parce qu'il y a des petits coussinets où le sang il circule en dessous des talons. Alors c'est pareil, globalement, même moi je le fais avec la chaise, je vais vous demander de vous grandir sur la pointe des pieds, comme si on voulait aller toucher le plafond, on peut le faire comme ça, mais de se grandir à fond sur la pointe des pieds, et après, de se mettre sur les talons, sans trop sortir les fesses. Si on sort les fesses, c'est trop facile. On essaye de juste voilà, décoller les pointes, faire revenir les pointes vers soi, et de serrer les fesses. Vous allez le sentir, ça travaille. Ce que je vous propose, c'est 2 x 10. Si vous sentez que ça tire trop, soit vous remontez moins, soit vous arrêtez à 7 ou à 8. Alors, on est parti. Je me mets de profil. Sur la pointe, on se grandit. On reste 1 ou 2 secondes et on descend, on se met sur les talons en serrant les fesses. Plus on serre les fesses, plus ça tire. On se grandit. On se met sur les talons, on serre les fesses. On est à 3, on est à 2. Là, on est à 3. On peut aller chercher avec les deux mains si on se sent bien. Mais après, de toute façon, c'est difficile sur les talons. 4. 5.
6, 7, là normalement ça commence à chauffer. Si vous avez mal, vous arrêtez. 8, 9, et un dernier. Et 10, là normalement ça a bien chauffé dans les mollets. Ok, on peut relâcher. Il n'est pas très cardio, mais il fait travailler. Ok, on est reparti, ça va, les mollets? Qui a mis un petit message? Personne. Et Benjamin est en train d'écrire, il va dire que lui, il sent rien. On est reparti du coup. Allez, on est parti sur les pointes, on monte, on va toucher le plafond. Et on se met sur les talons. Ça fait 1. Pointe. Talon, ça fait 2. Pointe. Talon. On est à 3. On serre bien les fesses, hein. Pointe. Talon, on serre les fesses, ça fait 4. Pointe. Talon, ça fait 5. Pointe et talon, ça fait 6. Pointe et talon, ça fait 7. Si ça chauffe trop, vous pouvez commencer à arrêter. On essaie d'aller jusqu'au bout quand même. Pointe, talon, ça fait 8. Pointe, talon, ça fait 9. Et pour le dernier, pointe et talon, et ça fait 10. Allez, on boit un coup, on fait une petite intermède blague et après je vous fais quelques petits étirements pour la fin de la séance. D'ailleurs, j'ai une question hyper intéressante. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé hier à Paris entre 19h et 20h? Je vous laisse réfléchir pour celle-là. Ah, c'est l'histoire de deux patates qui traversent la route. Il y en a une qui se fait écraser et l'autre dit purée. J'ai la même avec des tomates. Ma fille de 8 ans me l'a dit hier. Je dis, ah non, je ne peux pas raconter ça. Donc, c'est deux tomates qui traversent la route. Il y en a une qui se fait écraser et l'autre, elle lui dit, tu viens, ketchup? Voilà. Je suis sûre que vos petits-enfants peuvent vous raconter des blagues comme ça. Il y avait la blague du nombril. Est-ce que tu connais la blague du nombril? Et comme personne ne la connaît, vous dites non. Et ma fille, elle répond Bril. Et ça la fait mourir de rire. Et elle me l'a fait 10 fois par jour. Allez, buvez un coup. Ah, j'en ai une autre. Est-ce que vous savez qui étaient les parents de l'homme invisible? Les parents de l'homme invisible étaient des transparents. Allez, il faut le petit pch, pch. Allez, je vous propose quelques étirements. Ça fait rire Benjamin, je suis contente. Ok, quelques petits étirements pour les quelques minutes qui restent. On va en faire pour la tête, les épaules, un petit peu les muscles intercostaux et puis les jambes comme on a travaillé à la fin. Donc, je vous en proposais 4. Il y en a beaucoup plus qui pourraient être proposés. Ah, je fais vos rires Monique aussi. C'est des étirements qu'on peut faire sur la chaise. Hein, n'hésitez pas. Vous pouvez les faire debout aussi. Le premier, avec la tête, on va pencher la tête d'un côté. On va mettre le bras opposé vers le sol et c'est comme si on allait vouloir pousser le sol et on garde les épaules droites et on penche la tête. Et plus on penche la tête et plus on pousse le sol, plus ça va tirer dans les cervicales et les épaules et même un petit peu dans le bras. On le maintient 10 secondes. 1, 2. Et c'est vous qui donnez l'intensité, hein, avec la force que vous mettez pour pousser et pour tirer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On relâche tout doucement à 10. Ok, on le fait de l'autre côté. On penche la tête. On pousse vers le sol. Et on compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche un petit peu, on va pouvoir le refaire.
On est reparti pour 10 secondes. 1, 2, 3. Plus vous poussez, plus ça tire. Hein, jusque dans le bras. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on fait de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. On le sent. Hein, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Tout à l'heure, on a quand même bien travaillé au niveau des épaules. Celui que je vais vous proposer, normalement, celui-là, tout le monde le connaît. Il a des générations. On va poser sa main sur l'épaule et on va la faire glisser dans le dos en poussant avec l'autre main. Donc, on pose sa main sur l'épaule. On vient avec l'autre main, on pousse. Et là, ça glisse derrière. Et on compte jusqu'à 10. Plus on pousse, plus ça tire. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient le faire avec l'autre bras. Donc on part de là et on vient pousser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche un petit peu, on va le refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, l'autre bras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va prendre la chaise, pareil, on peut le faire debout ou assis. Celui-là est plus efficace avec la chaise et elle va nous aider, la chaise. On va un petit peu étirer toute la zone abdominale et puis les dorsaux aussi. On se met simplement assis. Ça peut être fait sur un canapé aussi, mais c'est moins confortable. Et on va aller chercher loin derrière. Et là, c'est là que la chaise peut nous aider. Si on attrape le bord de la chaise, ça nous permet de tirer un petit peu plus. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on le fait de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut le faire aussi en allant chercher, là, en se laissant descendre. On se fait juste tendre tout doucement avec le poids du corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on le fait aussi de l'autre côté. 1, juste le poids du corps suffit, on s'attire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et pour finir, comme on a travaillé aussi au niveau des mollets, je me recule un petit peu. Cet exercice qu'on a fait debout, on va pouvoir le faire pour les étirements en étant assis. On va juste faire revenir ses pointes de pied le plus vers soi. On compte jusqu'à 10. 1, 2, 3. Là, c'est pareil. Plus vous ramenez, plus il y a de l'intensité, plus ça tire. 5, 6, 7, 8, 9. 10 et les 10 secondes après, on fait partir les pointes le plus loin possible. On voit pas mes pieds. On fait partir les pointes le plus loin possible. On peut presque les toucher par terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on refait 10 secondes comme ça. Les pointes viennent vers soi. Pareil, ça donne. Plus on tire vers soi, plus ça donne de l'intensité. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les 10 dernières secondes, on pousse les pointes le plus loin possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Et 10. Ok, super. C'était les petits étirements. C'est des choses que vous pouvez refaire dans la journée. Il ne faut pas hésiter si vous sentez qu'on a bien travaillé. Il faut pouvoir le refaire dans la journée. N'hésitez pas aussi sur la vidéothèque à aller chercher dans les séances que vous aimez bien. Vous prenez la petite période de fin où il y a les étirements et refaire des étirements. Alors, tout à l'heure, j'ai fait une petite blague. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé hier entre 19h et 20h à Paris? Eh bien, il s'est juste passé une heure, comme aujourd'hui. Et là, c'était une heure avec de la bonne humeur. C'était ma petite blague de fin. Je l'aimais bien, celle-là. Pour conclure, je la trouvais sympa. N'hésitez pas, si vous en avez encore à mettre. Benjamin. Moi, j'en ai mis une dernière. Hein. En plus, c'est un exercice de prononciation. En plus. Alors, comment appelle-t-on un chien magique? L'abracadabrador. Celle-là, je vais la garder pour mes enfants. Je pense qu'ils seront fans. Bon, ben, merci Maud. Merci à vous d'avoir participé à la séance. Vous êtes resté jusqu'au bout. C'était, j'espère que ça vous a plu. Enfin, on espère avec Maud que ça vous a plu. Dites-nous si vous avez eu des soucis techniques aussi. Ça nous permet d'avoir des retours parce que bon, on a l'impression que ça s'est bien passé, mais n'hésitez pas à nous dire si vous avez eu quand même quelques coupures de son ou de vidéo. On essaye de toujours améliorer les choses, hein, parce que je sais que c'est pas drôle pour vous quand ça coupe. Thérèse, aucun souci. Donc ça, c'est plutôt chouette. Françoise, j'ai bien aimé cette séance, mais il me faudra trouver des blagues. Alors, on vous avait pas prévenu à l'avance, donc c'est sûr que c'était pas facile. Il y a un petit sous-entendu hein, dans la phrase, comme quoi j'avais beaucoup d'humour. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on leur avait pas dit d'en préparer. Moi, j'avais mes sources. Hein. C'était un peu facile, parce que sinon, j'aurais pas trouvé tout ça. Mais bon, ça, j'ai rigolé de mon côté aussi, parce que j'en ai vu passer plein de blagues, j'ai dû faire des choix, mais ça, voilà. Bon, ça permet de pratiquer un peu autrement. Régine, ça a bien fonctionné. Son et vidéo, parfait. Muriel, tout allait bien. Monique, super. Maud, merci. Très pro, pédagogue. Bah, tu vois, ça fait plaisir. Ouais, belle séance. Merci, Maud. Merci à vous hein, d'avoir participé, surtout. Ouais, surtout là, on a les irréductibles, hein, parce qu'après tous les problèmes qu'on a eu les 15 derniers jours, il faut être motivé pour être resté. Donc voilà, on s'excuse encore pour les deux dernières séances et on essaye de trouver encore les bonnes solutions, mais on est sur le bon chemin. Écoutez, on vous dit donc à lundi prochain, puisqu'on continue ce rythme hein, d'une fois par semaine. Ce sera peut-être pas Maud, on va alterner aussi régulièrement, on va voir. Ce sera peut-être Clément ou peut-être Sophie. Clément, vous le connaissez pas encore, mais il travaille aussi avec nous. Et puis, on va essayer toujours de trouver des thématiques qui vous font bouger, mais qui vous font aussi voilà, passer un bon moment. La bonne humeur pour la semaine. Voilà, on n'est pas là pour se faire mal, on est là aussi pour passer un bon moment. Donc j'espère que le rythme ça a été, que c'était pas non plus trop dur. On a commencé doucement, on a eu un petit pic quand on a fait les abdos. N'hésitez pas à le dire aussi, hein, ça permet aussi qu'on puisse s'ajuster. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est sûr que comme on ne vous voit pas, c'est plus difficile de s'adapter. Donc prenez ce temps-là hein, vraiment pour nous dire aussi ce que vous avez pensé de la séance. C'est comme ça qu'on peut affiner de semaine en semaine. Régine, donc Françoise qui dit merci à Maud, pas de soucis techniques, sauf quand je tape les messages, c'est le son qui tremblote quelquefois. Ah peut-être, c'est possible aussi. Régine qui dit c'était très bien. Donc pour Régine, c'était adapté. Bon là, on a des personnes qui sont quand même voilà, qui sont en forme. C'est super. En tout cas, on est content d'avoir débuté cette semaine-là avec vous et de vous avoir mis la pêche par ce beau soleil normalement presque partout en France. Donc on vous dit à lundi prochain et puis on vous souhaite une belle semaine et merci Maud encore. Un bon appétit. C'est l'heure d'aller manger d'ailleurs. Moi, je vais aller me faire un burger. Ouais. Ah non, parce que le steak haché.
Voilà, Bon, on n'y arrête plus. Bon, allez, à... quand je serai en live, les premiers qui auront testé ma séance du sport et du rire, je vous inviterai. Bon, si Maud monte sur scène, on vous prévient. On n'hésitera pas, on vous préviendra. Allez, à très bientôt. Bon lundi, belle semaine. Bonne semaine. Au revoir.